Eh bien, salut tout le monde, c'est Sifano, on se retrouve aujourd'hui pour ce second épisode commenté de ce Let's Play sur Mario Sunshine. J'espère que vous allez bien les amis, et je tiens à vous remercier toutes et tous pour l'accueil absolument formidable que vous avez réservé à ce nouveau Let's Play. Vraiment, je dois dire, j'ai vu énormément de commentaires, de gens enthousiastes, de gens qui étaient heureux d'enfin voir ce Let's Play finalement, parce que c'est vrai que je vous l'avais promis depuis longtemps, et puis très enthousiaste aussi de voir que... Beaucoup d'entre vous qui peut-être ne l'attendaient pas spécialement étaient heureux aussi de voir que ça allait être sur ce jeu. Et alors là vous voyez Mario qui dort, qui s'est complètement endormi, c'est pas grave, on va le réveiller. Et donc on se retrouve toujours sur la place Delfino. Rappelez-vous, la dernière fois on était rentré à l'intérieur du portail pour récupérer nos deux premiers soleils, celui de l'aéroport et celui d'ici. Alors avant d'aller sur le portail, je voudrais juste vérifier quelque chose, je sais pas si c'est encore possible ou pas. Alors vous avez été nombreux également à me donner des astuces, à me dire notamment que je pouvais... je sais que je peux envoyer de l'eau en courant, enfin en marchant, mais vous le voyez en fait, le problème sur l'émulateur avec la manette que j'ai, c'est assez compliqué. Et je sais que c'est possible, mais c'est, vous le voyez, finalement, assez difficile. Donc bon, on verra ce qu'on peut faire pour ça. Et surtout, vous avez été nombreux à me dire... Alors je sais pas si c'est possible de le faire ici... Est-ce que ce serait pas par là? Alors attendez, il faut que je change. Est-ce que ça va être possible tout de suite ou pas? Je ne sais pas. Regardez, alors là on s'envole complètement. Et non, c'est pas de ce côté-ci. Alors ce sera peut-être pour plus tard. En fait, on peut venir nettoyer ce soleil qu'il y a ici. Peut-être par ici, je sais pas. Je sais plus. Pour avoir un soleil en fait, tout simplement. Vous avez été également aussi nombreux à me dire qu'il y avait quelqu'un sur les toits. Est-ce que ce serait pas lui sur les toits? Est-ce que c'est pas toi? Je veux bien te lancer en échange d'une petite pièce. Tu es d'accord? Une simple pièce peut avoir le pouvoir de changer ta destinée. Ah oui, mais je n'ai pas de pièce. Est-ce que vous l'entendez? Écoutez. On entend un soleil. Je crois que ce soleil se trouve... Je sais plus du tout dans quelle zone il se trouve. Je crois que c'est ici. Non, c'est pas ici. Enfin bref, je sais que c'est possible. Par contre, qu'est-ce qu'il y a ici? Bonjour. Brise toutes les caisses en moins de 30 secondes pour gagner un prix. Ok, on va essayer. Ça devrait pas être très compliqué. J'aime bien cette ambiance chaleureuse de Mario. Oh. Et voilà. Alors, qu'est-ce que tu me donnes? C'était super, c'est vraiment toi le meilleur. Ah bah nickel. Bon bah un soleil, écoutez, on va le prendre. Alors en tout, je sais plus, je ferai pas le jeu à 100%, hein. Ça c'est clair, pour terminer le jeu, je sais plus combien de soleil minimum il me faut. Mais bon écoutez, on va pas se priver de les récupérer dès maintenant, hein. On va pas se priver de les récupérer dès maintenant. Alors également, il y a des gens qui m'ont dit trouvais le jeu trop lumineux ou trop saturé. Alors ça me semble bizarre parce que moi j'ai rien qui me finalement me dérange. Attendez, regardez, une nouvelle plante visiblement. On va aller voir ça après. On va d'abord faire un petit niveau ici, je pense. On va essayer de varier, je vais essayer de pas toujours faire la même chose dans les niveaux. Donc ouais, certains ont trouvé le jeu un peu trop saturé. Alors ça m'a semblé bizarre parce que j'ai rien modifié au montage. Donc c'est peut-être l'émulateur qui veut ça et qui en a gêné certains. J'essaierai d'arranger ça du mieux possible, mais malheureusement je peux rien vous promettre de ce côté-ci. L'attaque de Flora Piranha. Bon, bah écoutez, on va essayer d'aller récupérer le soleil qui se cache ici. Alors... Ah ouais d'accord, cette fois-ci c'est tout en haut du moulin. C'est vrai que je m'en rappelais plus forcément. Y a des passages comme ça du jeu dont je me souviens, et puis il y en a par contre à contrario que j'ai un petit peu plus de difficultés. Parce que finalement hein, j'ai pas la mémoire infinie, hein, forcément. Allez. Wouhou ! J'adore ce jeu. Franchement c'est un des meilleurs jeux de sa génération, je trouvais de très très loin, mais... Voilà, on va prendre un petit raccourci. Hein. Bien, alors. Mon but, ça va pas être de rusher le jeu, hein, bien évidemment. Y a des gens qui m'ont demandé, par rapport... C'était un peu en adéquation avec les gens qui m'ont demandé, est-ce que tu vas faire le jeu à 100%? Non,
Mais c'est pas pour autant que je vais rusher le jeu, clairement pas. Après, c'est un Mario, je pense que on va récupérer quand même, surtout dans les débuts, on risque de récupérer pas mal de soleil par épisode. Hein. C'est. Je pense sincèrement. Mince. Je pense sincèrement pas que ce sera un de mes let's play les plus longs. Hein. Je pense clairement pas, mais bon, écoutez, le but c'est pas de jouer en se disant ah, il va durer tant de temps. Non, le but c'est vraiment de s'amuser ensemble. Et je pense qu'avec ce jeu, on va être servi. Alors, danger, utilise ton aérobuse. Oui, bon, je ne suis pas totalement stupide. J'adore la petite musique d'ambiance. Je sais pas, je la trouve absolument géniale. Allez. Prends des petits raccourcis. Hop, on va faire attention à ça parce que bon, ça doit être assez dangereux. Habituellement, je suis pas un gros joueur de Mario personnellement. On va dire que tous les Mario les plus connus, je les ai faits, mais c'est vrai que c'est pas forcément des jeux bah, pour ceux qui me suivent. Attendez, pour ceux qui me suivent notamment sur les lives Twitch TV que je pouvais faire. Bah c'est vrai que j'avais souvent joué à Mario 64 et j'étais vraiment pas un bon joueur. Sur ce Mario Sunshine, je trouve que je me débrouille quand même un peu mieux. Ça, je dois l'avouer, je trouve que je me débrouille un peu mieux, même si c'est pas non plus très glorieux. Je veux dire, je suis pas un gros PGM de ces jeux-là. Voilà. Donc ça, lorsqu'on en aura 10, on pourra les changer contre un soleil, des pièces bleues, donc écoutez. On va pas se priver, hein. Allez. Hop là. Par contre, au niveau de mon réservoir d'eau, est-ce que je vais en avoir assez? Je sais pas du tout. Regardez cette ambiance, je sais pas. Moi, je trouve ça super chaleureux, super beau. Le jeu était magnifique, quoi. Ah! On arrive. Coucou! Bien, donc il va falloir affronter Flora Piranha, je pense que ça vous en doutiez. Hop là, alors comment il faut faire, je sais plus, je pense qu'il faut lui... C'est ça. Faut la remplir d'eau. Et ensuite je crois qu'il va falloir faire une attaque rodéo sur son nombril. C'est assez fun, ouais voilà. Rien de très compliqué, de toute façon ce sera certainement pas le jeu le plus dur que je vous ai fait. Je le prends clairement pas comme un... Comme un challenge ou quoi, je le prends vraiment comme un amusement celui-ci de Let's Play. Je sais pas, parce que voilà, l'ambiance s'y prête, je trouve plutôt pas mal. Et puis finalement, voilà, en ce moment, j'ai, sans compter mon Let's Play en live, j'ai deux Let's Play assez différents finalement. L'un avec une ambiance très sombre qui est Alan Wake, et puis mon Let's Play donc principal sur ce Mario Sunshine qui nous fait passer de bons petits moments de délire. Je sais pas, moi je trouve ça vachement chaleureux ce jeu. Alors vas-y, ouvre ta bouche. Vas-y. Vas-y, bois. Je pense que là. Et voilà. Soleil. Et oui, le soleil, donc ça va nous en faire ben, un quatrième, du coup. Bien, pas mal. Voilà, pas mal, donc sur 120... Je veux pas dire de bêtises, il me semble qu'il faut un truc du style 60 ou 70 soleils pour pouvoir finir le jeu. Enfin, l'histoire en tout cas. Maintenant, bon, je veux pas non plus hein, m'avancer, mais il me semble que c'est ça. Alors, on a toujours ça, oui, effectivement. Est-ce qu'on n'aurait pas faire un petit tour Ouais, alors on va faire un petit tour directement là-bas. Donc petit à petit, au fur et à mesure qu'on va avoir des soleils, bah déjà les soleils vont être plus durs à récupérer. Hein. Alors je sais plus, je crois qu'il y a 6 ou 7 ou 8 soleils par... non, je crois que c'est 8 soleils, il me semble. 7 ou 8 soleils par zone, donc. Et à chaque fois qu'on récupère un certain nombre de soleils, eh bien il y a des nouveaux niveaux qui vont se débloquer, comme celui-ci, là. Écoutez. Il y a un soleil qui est ici.
Alors là, je peux pas l'avoir pour le moment, lui. Il y a quelques petits soleils comme ça dans la ville. J'ai toujours pas de pièce. Attendez, je voudrais, avant d'y aller, je voudrais récupérer une pièce. De toute façon, on a le temps. Hein. Je voudrais récupérer des pièces. Il doit y en avoir. Donc là, on est dans les égouts. Voilà, parfait. Parce que j'ai envie d'essayer de... d'utiliser le petit canon, là. On nous parle le gars. Comment... Je sors de là, par là. C'est quoi? Oh, une pièce bleue. Nickel. Magnifique. Et je peux pas ressortir. Normalement, il doit y avoir une zone pour ressortir. Par là, peut-être. Non. Allez! Par là. Enfin! Bien, voilà. Parce que je veux utiliser le canon. Alors, attends, on va passer par là-bas. Enfin, le canon, c'est pas un canon, mais... J'ai quand même quelques petits réflexes qui sont restés. Alors. Oula, attendez, il n'y aura pas quelque chose ici? Ah, c'est là-dedans qu'on va pouvoir se faire envoyer, je pense. Comme ça, on va récupérer un soleil. Alors. Pourquoi, s'il te plaît, t'es passé? Pourquoi il s'efface pas, lui? Voilà. Parfait. Donc voilà, pour le moment, on récupère tout ce qui est assez basique. Pas très compliqué. Eh ben non. Attendez. Peut-être un truc ici aussi. Hein. Je sais pas. Faudra qu'on voit ça. Alors, comment j'étais monté, moi? Par là. Maintenant que j'ai des pièces. Cher ami, est-ce que tu pourrais m'envoyer dans la tour? Est-ce que c'est possible? Je veux bien te lancer en échange une petite pièce. Oui. Et à l'infini. Oh ben nickel. Merci. Parfait. Bon bah voilà, on a notre cinquième soleil. Youhi. C'est les plus simples, pensez pas que tout va se faire aussi rapidement après, mais bon, c'est vrai qu'on va quand même, chaque épisode, le but sera de récupérer quand même quelques soleils. Je pense que vous connaissez de toute façon le jeu. Pour la plupart, j'ai vu que vous étiez des grands connaisseurs. Oui, allez, on va aller nettoyer cette zone là, parce que c'est vrai que c'est pas très propre, hein, par là-bas. C'est pas très propre, allez, on va nettoyer ça. On viendra terminer ce niveau-là plus tard, hein. Enfin, je sais même pas si on le terminera... en plein, mais on le terminera comme on peut, en tout cas. Voyez-moi, quand je vous disais, je peux pas vraiment courir, c'est par rapport à la manette que j'ai, je pense, en tout cas. Enfin bon, c'est pas très important, ce sera vraiment nécessaire qu'à de rares occasions. Aïe. Allez, bon là, ça change pas. Allez, voilà. Je crois que c'est pas fini. Ah si. Ah bah non. Ouf, j'ai eu chaud. Allez-vous-en. Voilà. Et cette fois, je crois que c'est bon. Je trouve ça tellement classe de sauter comme ça. Oui, et donc... Eh bien oui, bah voilà. Nickel. La maison qui revient. Avec un niveau. Et je crois que c'est cette maison. Attendez, je vais aller vérifier. Il me semble dans mes souvenirs que c'est cette maison qui permet d'échanger. Je te souhaite la bienvenue. Je suppose que tu es là pour ça. Oui, très bien. Il faut donc que tu me donnes 10 pièces bleues. Tu as moins de 10 pièces bleues. Ouais, pour l'instant, j'en ai moins de 10. Effectivement. Faudrait que tu reviennes une autre fois. J'en ai peur. À la prochaine. Ça va. Une prochaine fois. C'est pas grave. En attendant, ouais. C'est quoi ça? Bah, ça doit être pour une pièce bleue, non? Attendez. Ah. Alors. Oh purée. Ah oui, je crois qu'il y a un temps imparti. Vite. Vite. On va prendre la pièce bleue. Yes. Et attends, on va pouvoir en récupérer d'autres, du coup, je pense.
Parce qu'on va se les faire tourner comme ça. Ah ouais, bah c'était juste un... C'était juste un échange, quoi. Bon, bah on aura eu deux pièces bleues supplémentaires, avec peut-être des pièces qu'on aura dans le niveau, on devrait pouvoir avoir un soleil en plus. Et voilà, parfait. Bon. Bon bah écoutez, maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement à l'intérieur de cette zone. On va l'arroser pour l'activer. Et donc découvrons un nouveau stage, les amis. Et ce stage, c'est... Le Port Rico. Le Mega Bloops Pollueur. Ah oui, je m'en rappelle de lui. Je m'en souviens. Ouais, donc une zone beaucoup plus industrielle. Avec un Mega Bloops qui est tout là-haut. Et qui fait des ravages. Donc, par où ? Bah par là, je pense que je vais passer. Alors, effectivement, Mario, appuie sur B pour contourner la grille. On va faire comme ça, nous. On est des PGM. Le but, de toute façon, c'est d'arriver en haut de la grille. Pas de la grille, je vous dis n'importe quoi de cette zone. C'est pas très compliqué. Voilà, bah on y est déjà. On y est déjà, par contre, attendez, on va pas faire n'importe quoi, regardez. Genre ici. On va avoir la pièce bleue qui est ici. S'il me laisse. Ouch! Alors vous. Voilà, ça va, on est tranquille. Yep, la petite pièce. Alors, une pièce bleue. Si j'y arrive. Voilà, parfait. Bon, plus qu'une. Plus qu'une et on va pouvoir avoir un soleil. En plus, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite pièce qui traînerait? Non, je pense pas. Bon, alors, allons voir le Mega Bloops Pollueur. Ah, attendez, si, là. Ah, mais ça risque d'être comme, comme à l'extérieur. Ok, on va essayer. Ah bah, regardez où il y avait une pièce bleue aussi. Bon, on va aller la prendre après. Oh là là, il faut être super rapide. Alors, attends. On va faire un truc. Déjà, on va récupérer elle. Voilà, comme ça, on en a 10. Et surtout, il faut être vachement rapide, là, la vache. Et par contre, regardez, aussi, il y a un truc là-bas. Bon, on ira le prendre plus tard. Ouch, parce que de toute façon, on va se refaire des niveaux ici. Donc, c'est vraiment un autre style de jeu. J'aime beaucoup, moi. Enfin, un autre style de jeu par rapport au jeu que j'ai pu vous faire il y a quelques temps. C'est un autre style de jeu, c'est avec... c'est du Mario, quoi, les différents stages, etc. Mais moi, j'aime beaucoup. Bien. Alors, toi, on l'attrape... Bon, les premiers niveaux, je m'en rappelle plutôt bien. Bien, donc voilà notre adversaire. Oui, donc je vous disais, les premiers niveaux, je m'en rappelle plutôt bien, surtout que il y a 2 ans, quand j'avais fait le tout début de Let's Play, j'étais allé... jusqu'à à peu près ici, donc après voilà, ce sera de la vraiment redécouverte. Alors ici, ce qu'il faut faire, c'est lui attraper une patte, une tentacule. Pourquoi je n'y arrive pas, je ne sais pas. Voilà, et il faut lui arracher tout simplement. Alors je vous rassure, bien évidemment, il va pas y avoir que des boss. Je sais que pour le moment on affronte que des boss, mais après justement, limite ces étoiles là sont les plus simples. Ces étoiles, c'est... Mince. Ces soleils-là sont les plus simples, parce que après, ça va être justement des énigmes, etc. Ce sera beaucoup plus compliqué, bien évidemment. Allez! Tes mains glissent sur cette tache d'encre. Oh bon. Voilà, j'ai plus de tache d'encre. Et je t'attrape directement le nez, cette fois, mon coco. Et... Oh oui, je sens que t'as mal. Bien. Est-ce que c'est fini? Non, c'est pas fini. Allez, je suis un fou, moi j'y vais direct. Ah ouais, mais... C'est pas tout à fait possible d'y aller directement, effectivement. C'est pour ça aussi
qu'il faut lui arracher des tentacules. Voilà, encore une, je pense. Petite musique bien sympa. Bim. Ça devrait suffire, je pense. Ouais, là, il est un petit peu étourdi. Et cette fois-ci, mon gars, c'en est fini de toi. Vers l'infini, au-delà. Ah, vas-y, noie-toi dans ta crasse, là, Berk. Et le soleil, le beau soleil qui est ici. Magnifique. On est bien, un de plus, ce qui nous en fait donc 6 et un septième qu'on va avoir, parce qu'on a déjà 10 pièces bleues, c'est magnifique. On les enchaîne, oh mon dieu. Non, ça va, ça se passe plutôt bien pour le moment. C'est les niveaux les plus simples. Et d'ailleurs, je crois... Non, non, non. Ah si, si. Regardez, il y a encore un autre niveau. Voilà, pour le moment, les niveaux, on les débloque assez rapidement. On va pas y aller dans cet épisode, celui-ci, je pense. Je pense pas, non. Ce qu'on va faire, déjà, c'est qu'on va donner les 10 pièces bleues. Et on va se faire encore un stage ou deux ici. Ou peut-être on va alterner avec les collines du début. On va voir. On va voir ça. Allez, je te souhaite la bienvenue. Oui. Allez, tiens. Donne-moi-en un. Pas de regret, vraiment sûr. Voilà. Et du coup, ouais, c'est quand même assez compliqué aussi d'avoir les 120 soleils, parce qu'il faudrait trouver toutes les pièces bleues, etc. Bon, c'est pour ça que je ne prendrai pas les 120, c'est sûr, mais j'en prendrai quand même une bonne partie, ça c'est promis. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner au port, on va voir un petit peu la suite, parce qu'il me semble qu'il y a un niveau qui est vraiment fun. Je sais pas si c'est tout de suite là celui qui arrive ou pas, mais en tout cas, je sais qu'il est vraiment fun. C'est une espèce de course de poulpe, vous allez voir ça. C'est vraiment super fun. Alors, est-ce que c'est celui-ci? La surfatitude, ouais, je crois que c'est celui-ci. En tout cas, petite parenthèse quand même, si vous avez encore des conseils, etc., comme vous avez pu me donner pour l'épisode 1, pour notamment bah, le soleil en haut, bah, c'était dans la tour, c'est vous. Hein. Bah, n'hésitez pas, vraiment, je suis preneur. Et donc c'est ici, alors juste avant. Ouais, on avait vu ça, on va le récupérer. Donc voilà, je me prive quand même pas, je fais pas le jeu à 100%, mais je me prive quand même pas de récupérer tout ce que j'ai sous le nez. Ça, je pense que vous commencez à me connaître. Alors, la surfatitude, oui. J'arrive. Non, mais il y en a pas des bleus. Oh, il y a pas de bleu. Je sais pas lequel je vais prendre du coup. Toi là, t'as un conseil à me donner? C'est ça, c'est moi le dresseur des calamars surfeurs. Ça te tente? Alors saute dessus et accroche-toi bien. Juste une chose, je décline toute responsabilité en cas d'accident. Il me semble qu'il faut qu'on se rende dans un tunnel qui est à l'autre côté. Alors, on va prendre le jaune. Go! C'est stylé. J'aime bien. Bon, on va essayer de suivre les pièces, du coup. Ça doit nous tracer le chemin. Bon, attendez, il y a une pièce bleue, on va essayer de la voir. Yes! Et on va essayer d'aller... Bien, parfait! Alors, je crois que c'est le véritable niveau qui commence, donc là, voilà, déjà, ça change un petit peu, c'est pas des boss. C'est plutôt pas mal. Youhou, ça te dit une petite balade? Saute sur ton calamar favori et ne me déçois pas si tu veux recevoir le prix, c'est parti. Ouais, il faut faire un bon temps, je crois. Bon, allez, go. C'est parti. Écoutez la musique, complètement déjantée, j'aime bien. Il faut faire un bon temps. Donc, on va essayer de faire un bon temps. On va essayer aussi de pas... se foirer parce que c'est un jeu aussi, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais c'est un jeu sur lequel je vais à mon avis beaucoup perdre et devoir recommencer, donc je ferai des ellipses bien évidemment, mais c'est vrai que c'est un jeu sur lequel, oh le raccourci, c'est un jeu sur lequel c'est de la progression par l'échec au bout d'un moment. Pour l'instant c'est assez facile, mais au bout d'un certain temps ça va être de la progression par l'échec. Est-ce que je suis bon là en termes de temps? Ah bah oui, je suis bon, nickel. Parfait. Ah bah je prends, écoute. Yeah. Tom, bravissimo. En plus, je suis italienne, donc ça passe mieux. Bien, 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 bien. Alors, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on s'en fasse un petit dernier à Port Rico, et ensuite on s'en fait un petit dernier dans les collines Bianco, ce qui nous en ferait donc, si je dis pas de bêtises, 10 soleils, c'est déjà pas mal.
Et ouais, et puis ensuite on se laissera là, ça nous fera un épisode d'une trentaine de minutes à peu près. Et voilà, ça, c'est dans, à peu près dans ce que je veux faire, avoisinant les 30 minutes. Donc ça ira, ces épisodes-là, comme vous le voyez quand même, on progresse assez vite. Ça ira pas, je pense, jusqu'à 40 minutes. Ça sera entre 25 et 35 minutes, approximativement. Et je pense que là, ouais, je pense qu'on va... On va s'en faire encore deux petits derniers, voilà, vu que c'est les débuts et tout, on va s'en faire deux petits derniers. Ou un, peut-être, je vais voir. On va voir lequel c'est. Le soleil emprisonné. Alors lui, déjà, il me dit rien du tout. Donc il risque d'être peut-être plus long. Où est-ce qu'il se trouve? D'accord, il se trouve tout en haut. Ouais, donc là, voilà, déjà, on commence à arriver sur les soleils un peu plus galères. Du coup, il va falloir passer par tout ce qui s'offre à nous finalement. Oh, t'aurais pu t'approcher. Raté. Bon, on va s'approcher à ça. On triche. Bien. Non, non, non. Hop. Ça va, rien de très compliqué, de toute façon c'est les premiers niveaux. Alors comment je fais ici? Ok, comme ça. Ouf, j'ai eu très chaud. J'entends un soleil. Ah ouais, bah normal, il est là. Il est dans la cage juste ici. Par contre, il va falloir faire très attention parce que... Parce que il y a une espèce d'araignée là. Pas très sympa. Voilà, je préfère passer directement de l'autre côté. Alors ici. Hop là, nickel. Je me demande même si on pourrait pas faire un... Est-ce qu'on tente un truc, les amis? On n'aura pas le tenter, on n'est pas fou. Ah voyez, donc ça par exemple c'est une compétence, on peut pas l'avoir pour le moment. C'est un de mes autres bus, oh mais ce n'est encore qu'un hologramme. Voilà, encore. Pour le moment, c'est qu'un hologramme, mais après, ça pourra vite changer, je pense. Et ça, la buse bleue, par contre, c'est... Bah, c'est juste pour récupérer la buse d'origine, si je dis pas de bêtises. Ça m'étonne que je me faille pas plus que ça, pour le moment, parce qu'en général, dans ce jeu, je me faille beaucoup. Là, pour le moment, ça se passe plutôt bien, les amis, donc écoutez, tant mieux, j'ai envie de dire. Fallait que j'ouvre ma bouche, voilà. Mais, qu'est-ce que tu me fais, là? Ok, nickel. On va récupérer ça. Sauvegarder et continuer. Il va falloir encore monter. Ouch! Attention, attention, attention. Attention à pas se faire envoyer en l'air. Alors, on passe par là. Et donc ici, on est plutôt pas mal là. Alors vous, par contre, vous allez pas m'embêter, voilà. J'aime bien comme on les envoie dégager. On y est presque, on y est presque. Alors, lui on va le dégager aussi parce que je sens qu'il va me faire tomber un de ces quatre. Alors où est-ce qu'il est, l'espèce de fantôme blanc là? Où est-ce que t'es? C'est bon, on l'a dégagé. J'ai l'impression que c'est plus ou moins calmé, ouais. Hey, hey. Ah mon dieu. Monte, 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 remonte. Mario, remonte. Voilà, c'est bien. Non. Bah, en gros, le but, ça va être de le... Parce que, attends, on est à la fin, je voudrais pas tomber tout en bas, là. On l'a dégagé. Ah bah non, on l'a pas dégagé, mais bon. Oh, regardez la pièce bleue. Ok.
cas ici. Et ben voilà, quand je parlais d'un gros fail, c'est pas grave, on va faire une petite ellipse, le temps de remonter tout en haut quand même. Bien, alors me voilà revenu, ça aura pris un petit peu plus de temps que prévu, ça fait 10 minutes que je galère à monter parce que je me fais avoir par ces espèces de fantômes. Donc là maintenant je suis en train de tous bien les faire un par un, vous voyez, dès qu'ils reviennent, j'attends qu'ils passent et je le dégage parce que sinon j'en ai encore pour 300 ans. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne les amis, j'espère vraiment. Va-t'en. Allez, allez, on est plus très loin. Pas de bêtises, pas de faux mouvements. Je crois que cette fois, on est bon. Oui ! Enfin ! Enfin ! Bien ! Et donc, ce 9e soleil. Bravissimo, Mario. Bon, bah écoutez les amis, vu que ça m'aura pris plus de temps que prévu, je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode, parce que ça fait déjà un bon moment que je tourne de mon côté, plus de 45 minutes, c'est vous dire. En tout cas, bah écoutez, non, on aura bien avancé durant ce second épisode. Si vous avez des conseils, des remarques à me faire comme durant le premier épisode, eh bien n'hésitez pas, surtout parce que ça m'a été vraiment d'une grande utilité. C'est juste pas la peine de me dire, ah tu sais, tu peux courir tout en arrosant, parce que je vous répète qu'avec ma manette et sous l'émulateur c'est pas tout à fait la même chose, ou alors il faudrait que je le configure, mais enfin bon, à l'heure actuelle je ne peux pas, parce que vous le voyez quand j'essaye de le faire, eh bien voilà ce qui se passe, hein. Pourtant j'appuie le minimum, mais voilà, donc écoutez, c'est pas très grave, mais en tout cas voilà, si vous avez d'autres remarques à me faire, surtout n'hésitez pas, ça me sera d'une grande aide, et puis pensez avant de partir à me laisser un petit pouce vert, ça me montrera que vous avez apprécié l'épisode et ça me motivera pour vous fournir d'autres épisodes de plus en plus drôle et fun, et bah voilà tout ce qu'offre ce jeu finalement, parce que bah c'est vraiment de la détente et c'est plaisant, vraiment c'est plaisant. Alors dans le prochain épisode on découvrira le nouveau stage et puis on récupérera encore des soleils, peut-être un petit peu de la colline, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas récupéré beaucoup pour le moment. Et puis voilà, merci à vous et à la prochaine, bye bye tout le monde.